qu'est-ce que tu fais quand tu dois partir en vacances alors que t'as plus une thune? Oh. Ah. Non, ça fait chier. Oh. Ah ouais, ça c'est chaud. Eh ben, je pars pas. Je pars pas. Je pars pas en vacances et je me retrouve à Paris plage et puis... Même dans le bar PMU du coin, tu peux avoir des conversations mythiques avec les gens. Tu vas côtoyer aussi bien un communiste qu'un catho, qu'un trans, qu'un musulman, qu'un clodo du coin. Soit tu pars pas en vacances, soit tu pars et tu te démerdes. Je pars quand même. Je me mets à découvert. Tu bouffes le fond du sac de pâtes. Alors mon père, il a une super technique. Tu prends ta baguette, tu la coupes dans la longueur, tu en mets un peu d'eau, tu le mets au grille-pain. Et... On s'accroche là où on peut. Ma famille. Généralement, j'en raconte chez mes parents. C'est ta mère qui te fait à bouffer. On prend discrètement les tickets resto du père. Tu dépenses rien. J'ai la chance d'avoir des grands-parents qui ont des maisons au bord de la mer. Le logement, c'est gratuit. Je sais pas, des fois, t'as des potes. J'appelle tous mes potes que j'ai pas vus depuis longtemps. Oh, c'est super de vous voir. J'ai un petit creux. Et si on mangeait quelque chose? Mais y a moyen de partir en vacances sans dépenser beaucoup. Du coup, ça serait plutôt des voyages low cost. Parce que c'est beaucoup moins cher de faire 8 heures de bus que 1 heure d'avion. Partir en vélo et tu fais du stop. Tu peux te faire inviter par les gens. Tu mets un truc court, tu souris un peu, tu fais genre les gens sont hyper intéressants parce que ça les flatte. Et... Il y a des bons plans, t'essaies de trouver des bons plans. Aller en auberge de jeunesse. Au père. Camping sauvage. Du couchsurfing. Babysitting. Vendre des glaces sur la plage. Jongler. Faire des massages sans finition. Et ben une fois je suis partie en vacances et j'ai dormi dans ma voiture. J'avais ma petite bougie pour lire mon bouquin. C'était plutôt sympa. Oui, des activités gratuites. Waouh. Non, ça fait chier.